est belle. Wow, merci. Hé, hey, c'est pas toi que je parle, je suis au téléphone. Quelle humiliation! Ok, merci maman. Ah, enfin tu vois, c'est toi-même que je cherchais. Alors, me voilà. Hé, hey, attends, le baptême de la fille qu'ils ont enfanté la dernière fois là. Hé, hey. Vers la cour voisine qui est chez moi là. Tu avais été là-bas? Hé, hey, une fille enfantée? Oui, là-bas même. Là où on avait mangé la dernière fois là. Oui, le chef qui était là-bas là, ce qu'ils ont préparé là. Oh non, la femme là ne s'est pas préparée. Elle ne s'est pas préparée comme Mich Diabaté. Quand moi j'ai mangé ça, j'ai eu l'envie de vomir d'abord. Hey. Le poisson qu'elle a mis dans la sauce là, comme caïman gris. Il dit que le truc là, est-ce que tu as goûté l'huile là un peu? Ah non, la femme là ne s'est pas préparée, wallahi. Et puis, ce qui est plus marrant, quand j'ai mis dans ma bouche là, on dirait que c'est le feu que j'ai accumulé dans ma bouche. Hey. Tu n'as rien à m'expliquer, enfant du voisin comme ça là. Je sais que tu fais même pas la différence entre une sauce douce et une sauce bien sucrée. Tu fais pas la différence. Toi, l'essentiel est que ce que tu manges là arrive dans ton ventre là. Femme que tu critiques là, c'est ma mère. Femme qui s'est pas préparée là, c'est ta maman? Repas là, c'est ma mère qui avait préparé. Faut pas prendre ce que j'ai dit là en compte. Hein. Hey. En fait, c'est ma langue qui a glissé. Hey. Moi, je voulais juste dire que ce qu'elle a préparé là, c'est quelque chose de génial. Hey. C'est bien, j'ai compris. Faut pas prendre ma parole en compte. Je pensais pas que c'était ta maman qui avait préparé la médiocrité. Thomas Smith! Une question, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Que veut dire odorat? L'odorat fait partie des 5 organes de sens. Ça, je connais déjà. Mais alors, si tu connais, pourquoi tu es là à me poser la question? Que réponds à ma question? Pour répondre à cette question, il faut que tu arrives d'abord à citer les 5 organes de sens. Le toucher, le goût. Oui, bien sûr, le toucher et le goût qui te permet de connaître le goût des choses. Donne-moi un exemple d'un bon goût. La sauce de ma mère. Vas-y, continue seulement. La vie. Lui. Merci. La vue qui te permet de voir et lui qui te permet d'entendre. L'odorat. Merci, bravo. Tu es arrivé à citer tous les organes de sens. L'odorat, là, veut dire quoi? L'odorat, là, c'est ça qui te permet de distinguer l'odeur des choses. L'odeur des choses? Oui, par exemple, tu sais, il n'y a pas quelque chose qui sent plus que le caca, ou bien? Il y en a des. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui sent plus que le caca? Ta bouche. Thomas Smith! Thomas Smith! Aidez-moi s'il vous plaît! Aujourd'hui ma maman va me tuer! Elle va finir avec moi! Alors, quel est le problème? Le problème est que elle m'a donné 2 billets de 500 francs. Mais maintenant quoi? Faut parler. Quand elle m'a donné les 2 billets de 500, elle m'a dit de l'acheter de l'oignon et du piment. L'argent est perdu donc? Non, c'est pas perdu du tout. Voici l'argent qui est là avec moi comme ça. Monsieur, alors il y a quoi? Quel est le souci? Pourquoi vous pleurez? Oui, en fait, quand je venais sur la route, j'avais les 2 billets de 500, l'argent de l'oignon et l'argent du piment. Maintenant, c'est en jouant que l'argent s'est mélangé. Ouais, aujourd'hui aussi. Monsieur, et vous aussi, dites-nous le problème. J'arrive pas à différencier où sont les 500 de l'oignon et où sont les 500 du piment. Daïda. Hey, le monde part en couille. Mais pourquoi vous partez?
te plaît. Non, merci. Non, faut couper ça, s'il te plaît. Merci. L'Afrique, c'est la famille, s'il te plaît, faut couper toi aussi. Merci. Hein? Mais toi aussi, nous tous, nous sommes de même père, même mère. Apprends ça, s'il te plaît. Regardez ce qui va se passer ici. Petit, tu vois la meuf là? Si j'arrive pas à la draguer, à partir d'aujourd'hui, faut m'appeler Hihon. Ah bon? Non, promis juré, c'est moi qui t'ai dit. Si j'arrive pas à la draguer, faut m'appeler Hihon. Salut belle créature de Dieu, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Dis-moi s'il te plaît, au fait, tu es dans le quartier là? Pourquoi? Tu es le chef du quartier? Non, c'est rien de grave. Je voulais juste avoir ton numéro quoi, s'il te plaît. Tu n'es pas mon genre. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Laïla. Ça ne va pas? Excusez-moi, madame. Vous êtes malade? J'ai dit excusez-moi, non, tu n'entends pas ça. Hey, faut me pardonner. Les délires de la semaine. Wallahi, tu es belle. Wow, merci. Hé, hey, c'est pas toi que je parle. Je suis au téléphone. Hé, mon petit, faut couper, s'il te plaît. Non, merci. Non, faut couper ça, s'il te plaît. Merci. L'Afrique, c'est la famille, s'il te plaît, faut couper toi aussi. Merci. Mais toi aussi, nous tous, nous sommes de même père, même mère. L'Afrique, c'est la famille. Faut prendre ça, s'il te plaît. Salut belle créature de Dieu, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Dis-moi s'il te plaît, au fait, tu es dans le quartier là? Pourquoi? Tu es le chef du quartier? Non, c'est rien de grave. Je voulais juste avoir ton numéro quoi, s'il te plaît. Tu n'es pas mon genre. L'argent est perdu donc. Non, c'est pas perdu du tout. Voici l'argent qui est là avec moi comme ça. Monsieur, alors il y a quoi? Quel est le souci? Pourquoi vous pleurez? On vous écoute, monsieur. Oui, en fait, quand je venais sur la route, j'avais les deux billets de 500. L'argent de l'oignon et l'argent du piment. Maintenant, c'est en jouant que l'argent s'est mélangé. Monsieur, vous aussi, dites-nous le problème. J'arrive pas à différencier où sont les 500 de l'oignon et où sont les 500 du piment.